Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'événement spécial. Les vacances s'annoncent très bien chez vous et également sur ce plateau, ça s'annonce très bien. Nous vous apportons tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de vos après-midi. Pour cet après-midi également, on va vous apporter le meilleur du divertissement, le meilleur en information et le meilleur dans les astuces. Surtout avec l'équipe en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, ça va. On commence avec qui aujourd'hui? Bonsoir à toi, ça va? Tout va bien? Ça va. Et toi? Depuis quand tu t'intéresses au tatouage? Je vois pas le rapport. Bon, c'est une question que tu as. Bon, à toi de me dire, bah, tu t'étais un soir ou ça te plaît parfois de le faire? Oui, il y a certains tatouages qui me plaisent. Quel type de tatouage, par exemple? Les petits sous forme de cœur, par exemple, mm-hmm. qui sont un peu symboliques. Et tu l'as déjà essayé? Je crois que tu as déjà vu quelque chose que tu devrais pas voir. C'est juste une question, hein. Moi, je pose juste une question. Oui, je l'ai essayé. D'accord. Et quoi? Pas en vrai tatouage, quand même. Hein. Ah voilà. C'est pas en vrai. Okay. Ce que tu as vu, c'est pas en vrai. D'accord. On se connaît. Mais même pas. J'ai rien vu, moi. J'ai rien vu. Juste, la question m'est venue comme ça, je me dis, bah tiens. Il faut poser la question, pourquoi pas. Mais je m'en vois pas faire un tatouage. Non seulement parce que je supporte pas la douleur, le fait qu'on puisse prendre les guilles, piquer jusqu'à avoir. Tu supportes pas la douleur? Je ne supporte pas. Donc la première fois, ça t'a pas fait mal et tout? La première fois par rapport à quoi? Bon, ça t'a fait plus, ça passe. Tu n'as pas eu mal? J'ai jamais fait de tatouage. D'accord. Comme tu n'aimes pas la douleur, moi je parle de la douleur. Oui, la j'aime pas. Fois, en fait, ça n'a pas été une douleur délibérée. Ouais. Le fait de te piquer, ça te fait pas mal? Oui, je parlais de ça en fait, tu envoies très loin tes idées, merci beaucoup. Bonsoir à toi, Samia. Bonsoir. Merci d'être là. Bien. Super décolleté. Mmh. Ça te va à merveille. Merci. Avec le pan qui te donne encore en éclat de temps. Ouais. Ça va bien? Ça va super. L'hôpital va bien. Les patients? Oui, tous les malades vont bien. Comment tous les malades vont bien? Comment tous les malades vont bien? Mais déjà, au moins, ils ont la possibilité encore de voir le jour. Ouais. C'est-à-dire que ça va. D'accord, ils vont bien. Oui. En tout cas, on va souhaiter un bon rétablissement à tous les malades qui sont sur les lits d'hôpital actuellement. Mmh. Si on peut les ovationner, une manière de les énergétiser une fois encore. On a voulu très content à toutes ces personnes qui sont sur les lits d'hôpital actuellement. Les ovations sur la télé 2 dans l'équipement, c'est pour vous. C'est notre manière de vous envoyer des choses positives. Merci beaucoup, merci. Et d'ici la fin de cette émission, beaucoup de personnes seront guéries et beaucoup de personnes vont se lever de leur lit d'hôpital. Et puis ensemble, on va continuer par avoir beaucoup de choses comme ambiance et tout. Bonsoir Monica. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Et les enfants? Ils vont très bien, ils sont là pour vous apporter une fois encore du sourire. D'accord. Si les enfants sont là, nous dire s'ils sont là, on va les attendre. Peut-être par applaudissement si les enfants. Ok, les enfants, applaudissez. Vous sentez dans l'applaudissement depuis chez vous la maison qui a l'applaudissement qui est beaucoup plus fort que les autres, c'est pas un enfant. C'est ça, ce n'est pas un enfant. Si les enfants, ils vont bien, ils vont dans quelques instants, ils seront sur le plateau pour partager le bon moment avec nous. Toi, même, tu vas bien? Je vais très bien. Tu te portes bien? Oui. D'accord, super. J'ai bien fait de mettre ou d'intégrer dans cette équipe une infirmière. Sinon, si vous avez des soucis de santé, il n'y a pas de souci. Elle est là pour vous. C'est moi qui paye le frais vite. Mais c'est lui, c'est elle plutôt qui fait les soins. Est-ce qu'on est? Donc tu me dis que tu es dans la même chose. C'est bon, merci beaucoup. Merci, garde ça pour toi. Oui. Et par rapport à moi? Quand vous payez les frais de l'hôpital et tout, est-ce que vous êtes assuré? Moi? Oui, si. Ok. Si. C'est bon à savoir. En oui, fait. C'est mais bien si bien. On peut commencer maintenant par pas payer les médicaments et tout, est-ce que vous pouvez supporter? Bon, je le fais selon mes moyens. Quand je dis je vais payer, oui, je vais payer, mais à un moment donné, quand ça me dépasse, allez voir vos parents. C'est cela qui s'agit, tu vois un peu. Oui, il y a l'assurance. Il y a l'assurance. Et puis faites-vous assurer, c'est important. C'est important. N'attendez pas le pire pour se faire assurer. Si on sait ce qui est beaucoup plus recommandé. Effectivement, c'est très important pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. L'assurance, ça nous aide dans beaucoup de choses. Mm-hmm. Même les accidents de route, l'assurance déjà, c'est déjà un kit, la toute première des kits qu'il faut avoir en main. Mm-hmm. Déjà être assuré, c'est beaucoup de choses. D'accord. Et ça ne coûte pratiquement rien aujourd'hui. Oui. Déjà avec 1950.
50 francs, je crois. Je peux juste au moment de belles informations sortent sur ce plateau. On va mettre un peu plus l'accent là-dessus par rapport à cette histoire de ceux qui aiment s'assurer, ceux qui se disent que bon, on va prendre juste notre argent et tout. Ce n'est pas le fait d'aller donner de l'argent, de rentrer chez vous à la maison simplement, mais cette personne-là, leur prière, c'est que vous ne tombez pas malade. Je sais de quoi je parle. Leur prière, c'est qu'il n'y a pas d'accident, qu'on puisse encore allouer des fonds pour venir vous sauver et tout. Donc, ils prient pour vous sans que vous le sachiez et tout. Donc, faites-vous assurer, c'est important. C'est très, très important parce que la santé vaut de l'or. N'attendez pas être malade avant de penser à se dire que si seulement si j'étais assuré, l'hôpital doit prendre soin de moi avant que je ne parte chercher mes sous. C'est important pour nous. Merci beaucoup pour ces explications. Monsieur le sage, comment tu vas? Je suis pas bien. Relax, on est mercredi. On est en pleine forme. Tu es sûr que tu es relax? Ouais. D'accord. Oui. Comme quoi aujourd'hui? Tendu, ouais. Tendu? Ouais. Relax et tendu. Ouais. Mais deux en même temps. Ouais. Comment tu te partages ou tu départages tes sensations au fond de toi? Détendu ou tendu? C'est ce que je veux dire. Tendu, détendu. Détendu. Soit qu'il a dit détendu. Non, il a dit tendu, j'ai répété. J'ai répété, il a dit oui. Tu es tendu. J'ai dit, je suis relax et détendu. Ah, d'accord, d'accord. J'espère que tu vas mieux hausser la voix pour que je puisse t'écouter. Donc d'ici là, je ne t'écoute pas. Ceux qui sont à la maison, très bon. Sinon, détendu et puis relax. En tout cas, merci d'être là. On va encore partager de très bons moments sur ce plateau avec l'équipe et tous ceux qui ont aidé à ce qu'on puisse préparer de bonnes choses pour vous. Mais cet après-midi, comme d'habitude, il y a encore quelque chose à gagner aujourd'hui. Oui. Oui. Je ne sais pas. Qui parmi vous, peut-être dans votre famille, a quelques problèmes de santé, difficultés et tout, mais on va axer cette première partie sur la santé. Et si vous avez quelqu'un qui a peut-être un petit problème, je ne sais pas et tout, on va prendre en charge une partie de ces soins et je vais m'en charger. Je vais prendre la tâche avec Samuela pour qu'on puisse voir dans quelle mesure cette personne-là puisse avoir des soins, moitié payés, nous on paie le reste, sinon je paie le reste et tout. Si vous avez quelqu'un comme ça, il n'y a pas de souci. Ou sinon, si on a un téléspectateur actuellement qui est en souci de santé et qui a besoin de soins, il n'y a pas de souci. Commencez déjà par envoyer votre message sur le 92 81 63 13. Je m'engage à prendre une petite partie. Oui, je le dis, une petite partie. Il ne faudrait pas que vous ramenez tout. Non, non, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce qui va se passer si une personne parmi l'équipe en plateau qui va permettre à ce que cette personne-là puisse avoir ces soins-là, peut-être à la maison, peut-être dans sa famille, on ne sait jamais, mais on va aller avec un jeu qu'on va vous expliquer dans quelques instants. Il s'agira d'une danse. Ça sera la danse, peut-être simple et complexe à la fois. Monica, je veux te désigner en tant qu'artiste de ce plateau pour cet après-midi. Ok, d'accord. Tu vas chanter pour ceux qui vont danser, puisque tu chantes déjà, toi tu ne vas pas danser. Tu es l'artiste, tu ne vas pas danser. En fait, mais je préfère chanter. C'est un jour. D'accord. Et tout le monde donne. Oui. Okay. En fait, je chante et puis eux, ils dansent. D'accord. C'est quel chant? Quel type de chant? Bon, on fait jamais l'idée. Oui, je pense que les enfants connaissent bien ce jeu. D'accord. D'accord. On peut penser comme ça. D'accord. Moi, je le dis là. Comment je n'ai pas de malade, je ne suis pas malade. le jeu, c'est pour c'est dans ta famille, c'est pour les téléspectateurs. En tout cas, essayez. Okay, tu peux faire gagner quelqu'un. C'est très simple. Oui. On commence par Miss Rachel. Okay. D'accord, Miss Rachel. Oui. Ok, détendez-vous. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre une pause musicale, le temps pour nous de nous mettre aux jambes pour annoncer ou commencer cette partie qui s'annonce très très bien chez vous à la maison. Je vous le répète encore, si vous avez quelqu'un sur les lignes ou plutôt actuellement, quelqu'un qui est souffrant pour vous, commencez déjà par nous envoyer des messages. On peut voir dans quelle mesure on peut apporter au fait notre contribution pour que cette personne-là puisse avoir de la santé et puis continuer par suivre l'équipement sur la TV2. Si la régie est avec nous, on prend une courte pause musicale, le temps pour nous de revenir derrière pour continuer les climats avec nous. Ça démarre comme ça. I'm at the still on this fucking building. Yeah, I don't know. Alors le président transitaire bical, respect. DG sommet. Parfait à vous on that beat. I will stand on top. PDRG. Ciao. We stand in the A mes vies d'un clair, président. Olympio J. Christé, ni président. Never. Donc à coup d'âme, ni président. Tu es un singe du rap game. Tu es un singe du rap game. Tu es le président du rap game. Tu es le président du rap game. On a Gemayaziti, mais Vengena Tigran, mi va libérer.
Miaweni a rawanto le gema me, miaweni a mega le verbere. Ne togbe ron salaire à quoi chauvignon y'a no terre terre. MC Wafia Fiero mille, mille mille chada tuna king lion. Mille clan yan 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 yan. Mabe carrière à ta boye mi ya me me me. Mi boye abattoire et bon y'a le dapa me 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 me. Me 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 me. MC a le zemi janji manage a le zambani. N'en pas le wa conséquent et pour wa kanona comme en a pas se codifiant ma bloni. MC kowe yon ga bougeto mi ya no puni. N'en pas si pia fort, dictature ben vous êtes fini. Y'en baisse sur le temps, dis-moi, rose toi, les y'en baisse Satan. Y'en maladie, sauve y'en a rossi, qu'est-ce que j'y s'attends. Ove y'en y'en sa gouba, le goût et y'en y'en bolo. O le digue, le digue, à on de ma va polo. O le rêve, ben y'en y'en va conga, que le cas. M'y'en mi poca, vaut mille doigts, que c'est le cas. Mille n'connant les morts des petits. Ma ballon, mes chants, mi du wadji. Même le fuck game a pas favorisé, y'en a. Les tombes de légère sont mes chauds à Chavigno, y'en a. Y'en a, rapin, c'est n'a mon voix. Voyez donc à Yom et Sénat. A mes vite un clair mani président. A mes vite un clair mani président. Olympio J. Christ ni président. Never, never, never. Dans ta cour d'Amani président. Tu règnes à singe du rap game. Tu règnes à singe du rap game. Tu le président du rap game. Tu le président du rap game. Shout out to na favela wa nege. Sewa shout out to na laji. Pebu vio kwa talengbo dome na ghetto bi. Bukenti yenye maduji. Mlenkona mile mode kweji. Mile zumle zumba filke mile kwa nye lakpaji. Noni pharaon wa donka yenye Moïse. Enye yana rap game ala yi sur la terre promise. M'somme yabe ma kasson li dema. M'le limoje le limoje wa kofi sama. De gode no kuso ya fifia ochama. Rapu washi, eku nyanga, yena zelesi. Homme de Dieu va devoir se faire de la si. Rapa pevu ye one. Shout out to na ya yo boss. Busy, kudo demo la si. Odi la strom, yena woto fumeur. Tu me kabe le jido le sela se pame. Et la couche chômeur. Moti ga control, die on the troll. Si be Mandela wa nege rapu nye so tol. Oh cha, yom le bia wa si yaira on angol ma kill them. M'le teme no le do ye besi a de pepe them. Mano plomo unya novo a kwa vila no gome. Gome, gome nengba nyi pastor chanwa gaja jokwe ya no chochi huame. Le plateau de l'équivalent spécial vacances pour vous, on va continuer dans quelques instants et comme je le disais, on fera gagner en téléspectateur sinon quelqu'un de la famille de l'équipe en plateau avec moi pour les soins, une partie de soins médicaux pour cette personne qui est en train de peut-être souffrir sur le lit ou peut-être qu'il y a besoin de quelqu'un qu'on puisse lui apporter, ne serait-ce qu'une petite contribution pour qu'il puisse avoir la santé comme il se doit. Le jeu consistait à chanter les chants que nous avons l'habitude de fredonner chez nous, à la maison, tout le monde connaît et d'habitude on va le faire et il y en aura une danse là-dessus. Effectivement. D'accord. Et c'est quoi en fait la chanson que nous connaissons mais peut-être que vous... Attends, principalement, ils sont les enfants qui connaissent bien cette chanson. Ouais. Et c'est en jeu. Et lorsque je vais commencer par Fredoli, ça, Miss Rachel va commencer par danser. Et lorsque il change, il faudrait qu'elle change également de danse. De danse et d'accord. Voilà. D'accord. On peut commencer ? Il n'y a pas de souci. D'accord. Moi, je suis tout de suite, je me regarde. C'est Miss Rachel qui se lance ? Okay. D'accord. Okay. D'accord. Je me mets là ? Oui. Mais pas là. Et moi je te laisse au fait la place. Le peuple sait que je suis mauvaise danseuse, mais bon. Oui, c'est pas grave. C'est comme si c'est toi qui vas danser. Là, je me mets de l'autre côté. Tu vas commencer par danser lorsque je vais commencer par dire Ayelena, Mayele, c'est bon. Ah, ok. Je commence par danser. Ça, c'est la danse oui, c'est là que tu vas commencer par danser en fait. D'accord. Là, je commence. Elle s'appelle Rachel, elle sait danser. Oh là. Elle va vous démontrer toutes ses danses. Oh là. Elle s'appelle Rachel, elle sait danser. Oh là. Elle va vous démontrer toutes ses danses. Oh là. Aïe la maman, elle est mon maillère. Oh là. Aïe la maman, elle est mon maillère. Faut changer. Aïe la maman, elle est mon maillère. Oh là. Aïe la maman, elle est mon maillère. Faut changer. Et puis c'est bien, c'est intéressant. Je me rappelle quand c'était encore en classe de CM1, c'était déjà dans CVAV.
et c'était notre particularité de chanter. Qui a déjà fait CVAV? CVAV, non, non, il n'y a pas. J'ai fait 2 semaines. Et pourquoi 2 semaines? J'ai fait 2 semaines parce que, en fait, tous les enfants qui sont là-bas, c'est pas trop là que je ne comprends pas. Non, non. C'est sûr. Les enfants dans CVAV, ils sont adorables, ils sont gentils. Ce sont les enfants qui aiment s'amuser, apporter leur contribution. C'est dans CVAV que j'ai appris beaucoup de choses. Okay. Tu vois un peu? C'est dans CVAV que j'ai appris beaucoup de choses. Sinon, ça dépend de ton CVAV là. Qui se lance maintenant? La même balance pour la personne également? Non, on va changer. On peut changer, mais c'est la même chanson. D'accord, d'accord. Même chanson chez vous à la maison, vous vous rappelez également quand on le faisait. Et après, on faisait taper-taper. À la suite de ça, en même temps, on fait taper-taper. Voilà. On enlève nos sandalettes et puis on commence par se dire la personne qui rate et tout, on frappe bien la personne. Non, de bon moment, ça me rappelle de bon moment. Qui se lance maintenant? Samuel, en tout cas, je prends la place de Samuel, c'est bien là. Et moi, je suis là juste à prendre la place de tout le monde. Je sais pas, super. Accompagnez-moi s'il vous plaît. Ok. Elle s'appelle Samuela, elle sait danser, oh là. Elle va porter mon cul, elle sait danser, oh là. Elle s'appelle Samuela, elle sait danser, oh là. Elle va porter mon cul, tout ça danser, oh là. Je sens la graine des camions en toi. Ouais. Je sens dans ça, dans tout ça, en même temps que bon. Ah, c'est le nom. Parce qu'il y a des choses que tu faisais comme ça là. Non. Maintenant que Marcel ne veut pas, il va danser. De toutes les façons, il va le faire. Il va danser. De toutes les façons, il va le faire. Le petit discours qu'il veut ou pas, mais je crois que je vous ai tout de suite dit que je n'ai pas de malade dans ma famille et que je ne suis pas non plus malade. Marcel, D'accord, rapidement tu prends ton inspiration. Tu as quelques secondes d'autre prendre l'inspiration. Et quand tu es prêt, c'est toi qui nous le dis. Ok, ça va. D'accord, c'est bon, ça peut aller. 1, 2, 3, let's go. Il s'appelle Marcel, il s'est passé. Marcel, tu m'as tué. La charité, bien entendu, commence par soi, mais c'est pas parce que c'est toi qui chante que tu dois pas danser. Lève-toi. Lève-toi rapidement. On n'a pas le choix. Super. Elle s'appelle Monica, c'est elle qui chantait, mais maintenant on va chanter pour elle. Voilà, je prends la place de Monica. C'est bon, let's go. Tu as besoin d'inspiration? Oui, c'est bon. C'est bon pour toi? 1, 2, 3, let's go. Elle s'appelle Monica. Bravo. Et voilà, l'équipe vient de jouer. Et on va voir quoi. Moi? Non. Allez, arrête. Non, même les enfants. Escalier. Qui veut que je danse en fait? Qui veut? Nous tous. D'accord. Qui chante et qui on chante ensemble. D'accord, il n'y a pas de soucis.
On y va. Il s'appelle SKB, il sait danser aux femmes. Il va vous démontrer tout le sait Je prends tout mon élan. Je me rappelais de quand j'étais encore très très jeune, quand je dansais bien et que la danse m'a apporté beaucoup de choses. Je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas, chantez. Je suis prêt. Il s'appelle SKB, il sait danser. Il va vous démontrer tout sait danser. Oh là. Il s'appelle SKB, il sait danser. Oh là. Il va vous démontrer tout sait danser. Oh là. Allez, maman, allez, maman, allez, oh là. Allez, maman, allez, maman, allez, oh là. Merci beaucoup, c'était la petite partie de divertissement pour vous apporter tout ce qu'il faut dans l'amusement. On est très sérieux et là vous allez décider de qui a mieux dansé sur le plateau pour que la personne puisse décider de quelle personne on doit aider pour l'émission de cet après-midi. On a jusqu'à la fin de cette émission pour avoir cela. Envoyez vos messages au 92 91 73 pour définir la personne qui a bien dansé sur le plateau également, qui on doit aider. Si vous avez quelqu'un à aider dans votre famille, c'est le moment de nous le dire pour qu'on puisse vous apporter notre petite contribution, je le rappelle encore, une petite contribution pour vous. Merci de vous applaudir vous-même parce que vous avez été un très très formidable. Avec cette fille, Marcel. Bon, en tout cas, il a bien lancé. Hein. Je connais des gens qui ne pouvaient même pas faire cela et tout. Sinon, tu as bien fait. Je crois que dans la chacun scolaire, il a donné quelque chose à chacun. Donc, ouais. Voilà, donc, mais par moment, il faut s'essayer à certaines choses. Il ne faut pas rester dans. Moi, il y a deux choses pour lesquelles moi-même je me sens incapable, chanter ou danser. D'accord. D'accord, d'accord. On va et je ne m'aventure pas souvent vers cette domaine-là. Il faut l'apprendre, ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi, je connais des gens à la base qui ne savaient nullement pas danser. Ils ne savaient rien du tout de la danse. Mais quand ils ont commencé par s'essayer, ils ont commencé par intégrer les clubs de danse et tout. Et aujourd'hui, ils savent faire des pas de danse. Tu vois, un peu donc, il faut le faire. Merci beaucoup à vous. On part maintenant pour le contenu de cet après-midi. Comme d'habitude, j'ai une question enquête, une thématique autour de laquelle nous allons débattre. Ça concerne également les faits de société, ce qui est important. À en savoir tout au long de cette émission, on va apporter notre avis là-dessus. On va parler côté santé cet après-midi. Miss Samuela est également là et surtout parler de ce qu'il faut faire pour surtout éviter les douleurs quand on passe les règles pour les femmes. Comme on l'a dit le lundi passé, on va en parler. Et surtout avec Maman Monica, les enfants seront encore là pour nous répondre à nos questions et surtout à des devinettes qu'on aura à leur soumettre. Et surtout, parmi les enfants d'aujourd'hui, il y a un talentueux. On a déniché un talentueux qui sera avec nous. Il s'appelle Joël, je donne déjà son nom parce que parmi les enfants de cet après-midi, c'est lui la star. On l'applaudit pour Joël. Ouais. Quand on lui pose la question, tu sais faire quoi? Il dit, posez-moi une question. Je dis, tu sais danser, il dit oui. Tu sais chanter, oui. Tu sais dessiner, oui. Tu sais rapper, oui. Tu sais manger, là, il n'a pas encore répondu. Et d'abord, on va parler des informations sportives. Et Marcel sait encore faire le plaisir d'aller vers les enfants. Dans la rue, aujourd'hui, c'est à quelle discipline on va s'intéresser? Aujourd'hui, on va s'intéresser aux disciplines du patinage. Le patinage. Et ça se passe à Tidouane. D'accord, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Mais j'ai beaucoup plus adoré mon ami qui est aujourd'hui en France, qui aimait tellement faire du patinage jusqu'à ce qu'en blanc me rencontre cette personne. En tout cas, je vais te donner l'anecdote et tout. Et je te dirai pourquoi moi j'ai vite abandonné. Je vous le dirai. On ira également avec les informations culturelles d'ici. D'ailleurs, dans Porte à tuer, clôture en toute beauté avec Extra. L'essentiel de tout ce que vous aurez, ça vous avez le droit plutôt de savoir dans cette émission. C'est tout de suite et maintenant. Commençons par la question enquête. On prend juste le jingle, on revient juste derrière. Question enquête pour cet après-midi, on va encore débattre sur ce plateau et parler, apporter notre avis, attendre également de vous vos avis pour qu'on puisse avoir une idée générale sur la question. La thématique peut s'afficher sur vos écrans depuis votre position et ensemble on saura. Marcel,
les parents doivent-ils choisir les programmes télé de leurs enfants? Est-ce que les parents doivent choisir les programmes télé pour leurs enfants en période de vacances? Bien sûr, il faut préciser, pour ces vacances-là, il y a des parents qui ne restent pas souvent à la maison, qui sont très très loin par moment, mais les enfants sont à la maison, ils sont dans le salon, la télé est allumée, la commande à côté. Est-ce qu'on doit choisir ces programmes-là avant de sortir ou bien on doit laisser les enfants même faire la part des choses chez eux à la maison? Très rapidement sur le plateau, les enfants également répondront à cette question-là parce que voilà, ils sont les personnes aujourd'hui en premier plan, donc ils nous diront si leurs parents essaient de leur définir le programme à suivre en courant la journée avant qu'ils ne rentrent du boulot ou pas. Miss Monica, oui. Les parents doivent-ils choisir les programmes télé de leur enfant? Une obligation ou peut-être c'est facultatif? Bon, ce n'est pas une obligation, moi je le dis. C'est pas une... Ça va peut-être choquer, mais aujourd'hui avec l'évolution des choses, si tu interdis à un enfant de ne pas faire ci, probablement il va aller se voir ailleurs. Il y a les réseaux sociaux et tout. Donc va, démontre à l'enfant que voilà, c'est pas bien de faire ci, de savoir faire la part des choses et tout. C'est très très important. Donc moi je pense que ce n'est pas une obligation de leur dire de ne pas voir ci, de ne pas voir ça, mais toutes les chaînes qui sont interdites aux enfants, là ils peuvent mettre des codes. D'accord. Voilà, des codes parentales. Des codes parentales tout simplement. D'accord. Ok, Marcel. D'emblée je dirais oui. Oui. D'emblée oui. Ah oui, très sûr. Oui. Les parents doivent aujourd'hui réglementer les programmes télé de leurs enfants. Parce que on ne peut pas laisser aux enfants à eux-mêmes la charge de vivre de n'importe quoi à la télé. Pourquoi? Vous allez voir que souvent sur certains médias ou certaines chaînes, pour un programme télé, tout ce qu'on passe, on met moins de tel. Déjà, moins de 10, moins de 12, moins de 16, moins de 18, moins de 20. Déjà, la production même sait que ce film-là ou ce programme télé-là, un enfant de tel âge ne doit pas le suivre. Peut-être qu'il aura l'automatisme et tout. Donc, d'emblée, les parents doivent réglementer le programme télé de leurs enfants. Mais au-delà du média, les parents aussi doivent réglementer les... Aujourd'hui, nous avons les médias faciles, les réseaux sociaux. Justement. Les parents aussi doivent réglementer. Ok. Voir de temps en temps, qu'est-ce que ton enfant fait de son téléphone. Ok. D'accord. Je pense que ça sera encore un autre débat par rapport aux réseaux sociaux et comment l'utiliser, surtout comment l'enfant doit l'utiliser et tout. On en fera un autre débat, mais tu as bien soulevé un point qui nous intéresse beaucoup. D'emblée D'emblée, oui. D'emblée, oui. Une obligation pour eux de choisir le programme que l'enfant doit suivre. À côté de toi, il y a un nom. Donc, quand on sait, il n'y a pas de discuter entre moi, on revient. Miss Rachel. Oui. Je vais aller aussi dans le même sens que Marcel. Et je vais rappeler que quand on est parent, on a plus de responsabilités que ce à quoi on s'attend généralement. D'accord. Et les responsabilités, ça ne finit pas. Ça va des programmes télé, de la musique que l'enfant écoute, de ce que l'enfant lit et de ce que tu apportes même à la maison des fois. D'accord. Donc, par rapport au programme de télé, je suis d'accord avec Marcel, dans la mesure où tout doit être réglementé. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'évolutions par rapport au fait de mettre un code, par exemple, sur des chaînes qui diffusent assez de films qui n'intéressent pas forcément les enfants. Alors que la commande soit laissée aux enfants, je ne suis pas d'accord. Avant de partir, peut-être, tu peux mettre une chaîne où ça, c'est les dessins animés que la chaîne la passe toute la journée. Okay. Et les enfants sont à la maison et regardent que les dessins animés. Ils n'ont pas pour autant l'autorisation de changer de chaîne ou d'aller voir une autre chaîne quand vous n'êtes pas à la maison. Là il a bloqué télévisuellement pour vos enfants y sortir. Donc, bloquer carrément, vous partez avec la commande. Il n'y a pas une personne âgée qui dirige la maison quand vous n'êtes pas là. Et vous savez que les enfants, peut-être, ils doivent regarder la télé. Et de l'autre côté, moi, je dis, déjà, l'enfant sur la télé une heure de temps, je crois que c'est assez. Et c'est trop même pour les yeux de l'enfant. Donc, une heure de temps déjà, tu dis à un enfant, va faire autre chose, va t'amuser, sors, discuter avec tes amis. Et voilà, tu retournes à midi, c'est l'heure de dormir. Peu importe le film qui se passe, ou peu importe le dessin animé qui est joué à l'heure là, il faut que l'enfant aille se reposer. D'accord. Donc je crois qu'à un moment, il faut éduquer les enfants selon une logique donnée. D'accord. Qui, peut-être sur le coup, ils ne vont pas comprendre, mais par après, ils vont se rendre compte de l'évidence. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Merci pour ton avis également. Ah, c'était aussi également à l'avis de Manuela. Samuela plutôt. Manuela, Samuela. Victoria. C'est ça, elle a beaucoup de noms. Elle a beaucoup de noms. Samuela, Manuela, Victoria, Vito. C'est quoi ton avis? Bref. C'est quoi ton avis par rapport à cette question aujourd'hui? Est-ce que les parents ont l'obligation de choisir? Je suis d'accord.
je peux dire oui parce que je vais rester juste dans les précis de Rachel. Elle a dit aussi au côté de la santé, ce n'est pas seulement au côté de la santé, mais quand on donne des vacances aux enfants, c'est pour se reposer et que leur esprit se calme pour recevoir ce qu'on a encore à leur donner l'année prochaine. Là, là tu parles en tant qu'infirmière ou tu parles en tant que futur parent? Futur parent. C'est ça, je dis prénom, hein. D'accord, super. Et comment tu le traites? Déjà que toi, tu es une pro-vivante. Non, chez moi, la règle... la télé. Oui, la télé. Okay. Mais la règle, c'est que chez moi, c'est, les heures sont programmées. D'accord. Et aussi, la lecture est très élevée chez moi. Chez moi, on doit lire avant de manger. Le matin. On a une bibliothèque. Ok, ok, d'accord. On va lire sa page et dire ce qu'on a compris de ça, faire un bon résumé. Si tu ne fais pas un bon résumé, c'est que tu dois manger dans la journée. Oh, Ivan, tu souffres pour moi. Ivan. Après, il a compris quand il est au CP1, il a compris que la lecture, c'est une bonne chose. Parce que ses amis qui commencent par parler le français, déjà, il se dit pourquoi est-ce que lui, il n'a pas certaines astuces pour le faire. D'accord. Déjà, je vois qu'il vient... Par après, maintenant, il apprend à lire, il apprend à donner ses impressions. Déjà, j'ai vu que c'est bon. Donc, les vacances sont programmées chez nous à la maison. D'accord. Donc, tous les parents savent qu'ils n'ont pas le temps, cette sucette d'être là à la maison pour leurs enfants au moment de vacances. Tout le monde est devenu rose là dans le foyer. Papa doit aller chercher, maman aussi doit aller chercher. Du coup, on doit savoir vraiment que nos enfants aussi sont à la maison. Donc, programmez vos choses. La télévision, moi, je dis carrément une heure déjà même, c'est trop. C'est trop? Oui, d'accord, c'est trop. D'accord. Là, on a parlé, avec toi, on a parlé généralement de la télé. Mais nous, on aimerait savoir aujourd'hui, est-ce que les parents doivent choisir le programme ou le programme à suivre par l'enfant? C'est la thématique là. Les programmes même, ce n'est pas il faut que la télévision ce n'est pas quelque chose, mais si des dessins animés qui peuvent leur apporter quelque chose, là laisser ces traits là pour eux. Mais les autres, je ne vois rien. Tu dis à Ivan de se lever que non, que maman doit passer à la télé, maman passe à la télé. Oui. Il est habitué. D'accord. Justement, avec Emma, c'est une émission qui est dédiée à tout le monde. Ça peut être les enfants ou les plus âgés parce que dedans, il y a de l'information. Il y a ce qu'on apprend et ce qu'on apporte à tout le monde. Donc voilà, Ivan peut suivre, avec Emma, il n'y a pas de souci. Mais également TV2, parce que sur la TV2, on a de bons programmes pour les enfants également, pour adultes également. Tu vois, on peut donc. Il faut lire d'abord. Comme maman le dit, il faut lire d'abord. Merci beaucoup à vous. Merci pour vos avis par rapport à cette question. Il y a justement Monica qui est partagée et tout. En tout cas, on continue le débat avec vous. On prend une pause musicale, le temps pour nous de revenir continuer avec vous, très chers amis téléspectateurs. Vous suivez l'équipement. Nous sommes dans la question qui était la suite de l'équipement. C'est juste après ceci. On revient juste derrière. Pause musicale. Me waking up that day in the fever. Fans la follow bomba to bomba.
them see me by crossing the border. Oh, that I pass. Hunting up in me, beating my Canada big yard. Potentially, me no figure them a peanut. Blessing drop like not for me paper. Oh, that I pass. I feel my inya jiwa claro nena bango. Na pupula ma afya bwana bwana bwango. Kukwa mikato gene, nenu chigbo. Yamanya na mye, kanigbako. Gakedo komo sopwa la kwa jekpako. Yoda de chaji nam. Gamo popo popo, ni otota nam. Atava shiko vanam, ya inya flanam. Mi oge ige afi wa grow. Akla de mada ke wa bi afi ye zona do. Apo mo fire kaka teve tramina. Bomo toko, ole toka da shibana. Yo mo jopo nyanya nene vetile afi wa nyaga hako. Fire kaka teve tramina, bomo toko, ole toka da shibana. Yo mo jopo nyanya nene vetile afi wa nyaga hako. Bwango, kukwa mikato gene, nenu chigbo. Yamanya na mye, kanigbako. Gakedo komo sopwa la kwa jekpako. Yoda de chaji nam. Gamo popo popo, ni otota nam. Atava shiko vanam, ya inya flanam. Mi oge ige afi wa grow. Akla de mada ke wa bi afi ye zona do. Apo mo fire kaka teve tramina. Bwamo toko, ole toka da shibana. Yo mo jopo, nyanya nene vetile afi wa nyaga hako. C'était la surprise partout parce que ce clip a été sorti hier seulement, tout le monde s'y attendait pas. Et puis Kalouzi nous a surpris avec cette nouvelle vidéo, le titre Akpala, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement que vous pouvez trouver un peu partout. On vous fait l'honneur de vous diffuser l'exclusivité sur le plateau de l'Ekema. Voilà, comme d'habitude, on reçoit l'exclusivité et on partage avec vous. Ça vient de sortir, allez-y et poussez, poussez, poussez fort. On va remercier et nous féliciter Laura et Guetovi pour ces 1 million de vues. Ça s'applaudit sur ce plateau, s'il vous plaît. Ça Gecko Love atteint la barre des 1 million de vues, plus jamais connu dans le milieu du hip-hop au Togo. Ils sont, sinon, il est le premier à atteindre 1 million de vues en un mois seulement. Il est ta félicité, il est ta félicité. Bravo à Gecko Love, bravo à Laura, bravo à ce gros projet Gecko Love qui aujourd'hui fait bouger beaucoup de personnes, surtout les couples. On va continuer avec vous dans quelques instants, on va parler santé et surtout on va s'intéresser au volet des menstruations. Samuela est là, comme d'habitude, je vous ai promis de bonnes choses et ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut connaître et ce qu'il faut savoir, ça sera toujours dans Top Santé dans quelques instants. On va lire quelques messages rapidement. Bonsoir le plateau, vous êtes magnifique. Bonsoir. Vous avez tous bien dansé et merci à Dieu pour votre initiative. Déjà vous avez parlé, Dieu a écouté. Bonne chance à vous, le... merci beaucoup. Merci, merci, ça fait plaisir. Un autre message rapidement, bonsoir le plateau de l'équivalent. Le meilleur danseur pour moi, c'est Marcel, il m'a fait chourir. Vous blaguez là. C'est la live. C'est parce que j'ai été comique qu'il vote pour moi, pas parce que j'ai pu danser. Lui m'a dit désiste. Hein. Non, en tout cas, c'est à vous le voir. En tout cas, il te prend comme meilleur danseur. Merci. Il te prend comme meilleur danseur. On continue avec les messages rapidement. Quelqu'un d'autre nous dit bonsoir, le plateau de l'équipement. Merci à vous pour ce que vous faites. On retrouve encore de la bonne humeur sur la TV2. Bravo à vous. En tout cas, merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Ça fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes avec nous et que vous continuez toujours de nous soutenir comme il se doit. La personne continue en me disant, c'est bien de cacher la télécommande pour les enfants pendant les vacances parce qu'il y a des enfants qui sont têtus. Tu peux lui refuser de regarder une chaîne, mais il ira toujours regarder. Ce n'est pas bien pour les enfants. Bonne mission à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre avis. D'accord. Il faut rappeler également que les parents qui ont caché les télécommandes des enfants sont partis payer commande universelle. Pour venir enlever la télé de leur papa. Et quand ils sont pas là, voilà, lui sur la télé, quand papa arrive, il était et puis il part. Il n'y a pas de télécommande. La télé est comment tu peux dire que l'enfant a regardé la télé. Oh pourtant il regarde. Les enfants, vous le faites, non? Ah ils disent non. En tout cas, on se rend compte que ça sort sur le plateau. Un autre message rapidement, le dernier pour le moment. Bonsoir à vous, bonsoir Escadé. Je viens chez vous prendre votre panier. Non, ok, après. Le panier est fini, mais c'est bon après. D'accord, on a compris.
La personne continue en disant, je vous suis à chaque fois, j'adore ce que vous faites. Pour la question, oui, les parents doivent obligatoirement sanctionner les enfants qui regardent certains programmes de la télé, ou soit carrément être là quand ils doivent suivre la télé. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, merci pour vos avis, merci de nous apporter votre contribution pour qu'on puisse avoir une idée là-dessus. Et également les parents qui sont en train de nous suivre actuellement, vous avez la possibilité d'interagir avec nous, donnez-nous votre avis, comment vous gérez la télécommande en ces périodes de vacances avec vos enfants. Dites-nous 92 91 63 13 ou directement allez sur nos différentes pages officielles. Il y a la TV2 Togo, la page officielle qui diffuse cette émission pour vous. Il y a également l'équivalent Espace TV2. Laissez votre commentaire ensemble. On se fera le plaisir de les lire sur le plateau. On revient maintenant, on va parler santé. Oui. On va s'intéresser aux femmes, oui, aux dames et surtout dans ces moments très très délicats pour elles. Ou sinon pour vous, ça arrive très souvent. Ou sinon chaque mois. Oui, chaque sauf, mois. Sauf s'il y a un retard. Oui. Et ce retard mène à 9 mois de route. D'accord. D'accord. Et parfois les retards ne sont pas forcément le chemin de 9 mois. Il y a des retards qui sont liés à la consommation. Oui. Je pense qu'on va revenir là-dessus. Ça, donc, c'est autre chose. C'est autre chose, clairement. Sinon, la probabilité des retards qui mènent à 9 mois, c'est l'arnaque. Ouais. D'accord. 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 Top santé, tout de suite pour vous reprendre le jingle et puis on revient juste derrière pour en parler. À tout à l'heure. Top santé, jingle. Nous sommes de retour sur le plateau et continuons avec mon pari santé. Comme je vous le disais, on va s'attarder sur le fait d'avoir des douleurs quand on passe les règles. On s'intéresse plutôt aux femmes ou aux jeunes filles qui ont déjà commencé à avoir les menstruations. Comment ça se passe d'habitude? Tu as des informations assez importantes pour nous aujourd'hui. Dis-nous tout. Ok. Alors, les astuces pour apaiser les douleurs pendant les menstruations, ça existe. D'accord. Avant, on disait que c'est un phénomène qui ne diminue pas ou bien qui est spontané et qui serait toujours là. Mais moi, je dis qu'il y a une astuce pour ça. D'accord. Mais souvent, il faut savoir ces symptômes avant d'y arriver. D'accord. Donc, je peux dire qu'à chaque menstruation, il y a des symptômes qui viennent. D'accord. Mais ne sont pas présents chez d'autres femmes. Il y a d'autres qui ne sentent rien. Oui. Mais chez d'autres, c'est un monde qui est tellement affreux. Oh, et de douleur, oui, très très calvaire. D'accord. Mais ce soir, j'aimerais que vous compreniez qu'il y a des symptômes, par exemple des musculatures, oui, et au niveau de dos, oui, au niveau de bas-ventre, oui, les maux de tête, oui, la fièvre, les ballonnements. Oui. Des fois, même quand tu manges, ça n'arrive pas à bien se digérer. Oui. Et on n'a plus d'humeur. Les sauts d'humeur, oui, par ici. On n'a plus envie de manger. Des fois, on a envie de grignoter. Ouais. Des fois, même, on sent des sensations bizarres. Manger un peu seulement. Tout ce qu'elle a cité, les coups battus, les ballonnements. Moi, si je mange des trucs sucrés, c'est là que j'ai mal au bas-ventre. D'accord. Donc, je sais que à ce temps, je ne dois pas manger si c'est plus, je suis à l'aise. Ah, d'accord. Tu n'as pas assez de douleur. Là, c'est bien. Je ne l'ai même pas, mais au cas où je l'ai, je prends les médicaments plus. Elle fait partie de celles qui n'ont pas de symptômes. Ouais, mais par contre, mais pour les humeurs, là je peux même pas déterminer. Ça vient. Ça part. Ça part. Voilà. Comment tu te sens quand tu es en période par rapport aux humeurs? Bon, tu parles mal aux gens, peut-être, non, moi, ou tu réponds mal. Je ne parle pas. Tu deviens quoi, peut-être une chienne qui vient de faire des affaires? Une chienne enragée? Non, je ne parle pas mal aux gens, non. Oui. Mais c'est juste que j'aime pas entamer les discussions. Ok, ok. Tu te réserves beaucoup. J'aime pas du tout, en fait. D'accord. Et si tu commences moins de choses, tu vas voir que je me tais et tout. D'accord, voilà. D'accord. D'accord. Je voulais te demander comment ça se passe chez toi. Non,
voilà, justement, justement, c'est pas pour toi. On revient maintenant par rapport à ce qu'il faut. Tout ça, on l'appelle les syndromes prémenstruels. D'accord. Avant et pendant les menstruations, ça, c'est un signe qui vient. Mm-hmm. Déjà avant même, on sent déjà la venue de cette phase. D'accord. Mais il ne faut pas paniquer. Mm-hmm. Il y a d'autres femmes qui paniquent des fois, elles se posent des questions. Mm-hmm. Mais toujours, il faut être éveillé sur son corps pour savoir ce que son organisme est en train de nous refouler. D'accord. Donc, c'est très, très, très important à ce côté. D'accord. Et pour apaiser ces moments, mm-hmm. pendant les mois que vous avez déjà, si c'est 5 jours de règles que vous avez, mm-hmm. essayez, si ces 5 jours terminent, déjà la fin de ces 5 jours, essayez de pratiquer certaines choses que je vais dire tout à l'heure. Ok, d'accord. Oui, ces conseils qui vont être assez vitaux pour vous, pour que vous essayez d'être soulagé. Oh, d'accord. Totalement. D'accord. Donc, ça m'intéresse, je dois noter rapidement parce que il y a des questions qui se posent très souvent par rapport aux règles douloureuses, comment il faut, qu'est-ce que je vais faire, et surtout ceux qui n'aiment pas souvent bavarder, ceux qui deviennent d'autres personnes en ces périodes-là, c'est quelques 5 ou 4 jours pour certaines personnes et tout. Bien, quelles sont ces astuces, la toute première, le sport. Le sport. Oui, pour toutes les femmes qui ne savent pas, le sport, ça nous aide dans beaucoup de choses. Ok. Les activités sportives aussi, ça fait partie pour apaiser les douleurs pendant les menstruations. D'accord. Et aussi, les aliments que vous devez manger aussi, faites attention. Là, tout de suite, là, c'est après ou pendant? Avant. Pendant le mois, c'est-à-dire que vous-même, vous devez être apte de suivre vos aliments. D'accord. Pour ne pas sentir de douleur. C'est-à-dire, tout à l'heure, elle vient de refléter quelque chose quand elle mange beaucoup de sucre. C'est-à-dire que dans ce mois, si elle consomme beaucoup de sucre... Attends, je suis pas bien. Pendant la période, en fait. Pas pendant la période. Deux jours avant. Oui. Okay. Ça peut causer. Okay. Imaginons dans le mois, si on consomme beaucoup de sucre... Le mois prochain, on aura des problèmes. Ouais. Elle consomme le sucre. Là, on peut dire qu'elle connaît son corps. Et elle sait comment ça fonctionne. Ouais. Et pour celles qui ne le savent pas, je pense qu'il faut contrôler l'alimentation. Il faut faire vraiment attention aux aliments que nous prenons. C'est très important. Et aussi, pendant les menstruations déjà, la toute première des jours, le premier jour de menstruation, des fois, les filles n'arrivent même pas à s'asseoir, à se tenir debout, à faire... Il suffit juste de prendre du bain chaud. D'accord. Oui. Du bain chaud. Oui, très chaud, ça se lâche. Le bain chaud, d'accord. Oui, du bain chaud, ça se lâche. Ça, c'est le premier jour. Oui, le premier jour. Quand on sent que ça peut arriver aujourd'hui à tout moment, on prend un bain chaud pour se mettre en bain. Et hors conseil pour les élèves. Surtout en moment de classe, elles ont mal à supporter cette phase. Déjà le matin, avant de partir, prenez un bain chaud, propre, prenez de l'eau chaude, vous mettez juste un Lipton dedans pour que ça soit un peu assez bon pour vous, que vous prenez. D'accord. Déjà, c'est déjà bon, ça va vous soulager. D'accord. Et l'eau chaude, je vais vous apprendre la meilleure des techniques que moi j'utilise et que les blancs même ont vraiment apprécié, nous ont conseillé, c'est les bouillottes. Et voilà. Pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est. On appelle ça bouillotte. Est-ce qu'on peut avoir un gros plan sur l'élément en question aujourd'hui pour une fois comme moi-même, je ne savais pas ce que de quoi s'agit. Bouillotte. Oui, et bouillotte. Ça consiste à, ça sert à faire quoi? Ça sert vraiment à mettre de l'eau chaude dedans. Oui. Quand vous ouvrez, d'accord. Vous chauffez de l'eau. Oui. Et vous mettez dedans. Oui. Voilà, ça prend beaucoup, même un litre d'eau, ça prend. D'accord. Et vous fermez. Bon, si votre corps est bien adapté au truc chaud, ça ne sert plus de couvrir. D'accord. Et vous le déposez, voilà les images qui sont. Ok, d'accord. Et vous les déposez juste à la partie qui vous fait mal, du bas-ventre, vous le déposez là-bas et ça va vous soulager. D'accord. Mais bon, voilà, l'autre est couvrie parce que, bon, elle ne veut pas sentir trop de chaleur, trop de...
de chaleur dans son corps, du coup c'est couvert. Oui, mais il y a d'autres qui n'aiment pas et préfèrent celles qui sont nues, qui n'ont pas de couverture. Voilà. D'accord. C'est d'accord. Très 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 efficace pour les filles aujourd'hui. D'accord. Et aussi pendant les moments de classe. Et nous avons beaucoup assez à nous asseoir. Mmh. Et des fois, on a mal au dos, des crampes et autres là. Ça aide beaucoup en ces moments de fraîcheur aussi. Mmh. Ça aide. Essayez juste de mettre de l'eau chaude dedans et vous vous couvrez la partie qui vous fait mal. D'accord. Surtout les moments de menstruation, c'est très 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 efficace. D'accord. D'accord. C'est tout pour les astuces aujourd'hui. C'est tout pour les astuces ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à toi. Tu es une lettre, je la remercie. Pour ceux qui n'ont pas ça, oui. Je pense que. Tu as d'autres astuces à ajouter. Oui, d'accord. Pour ceux qui n'ont pas les bouillons. Trancher, serviette, oui. Voilà, dans l'eau chaude, et puis vous mettez ça tout simplement ici. Ok, ok. Et là, c'est quand on est à la maison. Ça, je pense que ça, c'est beaucoup plus pratique pour les élèves. Parce que cette partie-là, notre enfant a diffusé une vidéo qui traitait ce sujet et tout, pour que les enfants ou les camarades ne se moquent pas de vous. Il faut juste avoir cela. Je pense que le prix n'est pas c'est ça, le trouver partout, hein. Oui, donc voilà partout. Voilà, c'est à combien? Dis-moi ça dans les oreilles, c'est à combien? Ah bon, je ne sais pas. Tu ne sais pas prix, tu connais pas le prix. Je voulais faire quelque chose, mais bon, comme tu sais pas, si c'était trop, j'allais abandonner le projet. Si c'était pas trop, j'allais voir si je peux l'offrir à une téléspectatrice qui est en train de l'offrir. Pas de souci. Il y a pas de souci. Non, ça. Alors, nous on est là pour eux. Ah, ok. Bon, ça devient. Ah, on a besoin pour cela. On est là pour vous. Wow. Nous avons ce cadeau assez magnifique pour une téléspectatrice qui va nous appeler ou sinon nous écrire dans quelques instants et elle viendra prendre ça. Ça sert à quoi? Quand vous avez vos menstrues et que vous sentez la douleur, vous mettez de l'eau dedans. C'est comme un chauffe-eau. Oui. Mais pas chauffe-eau, thermos, mais pour celles qui sont en menstrues, vous les mettez juste à la partie où vous sentez de la douleur. Vous pouvez être habillé, le faire pour ne pas avoir trop de chaleur. Vous pouvez le mettre sur votre corps. Il n'y a pas de souci du tout. Donc, ça, c'est pour une téléspectatrice qui va nous écrire dans quelques instants. Et voilà, nous allons lui donner ceci pour soulager ses douleurs. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. En tout cas, vraiment, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. C'est pour recevoir ceci en direct. Il suffit juste de nous écrire que vous avez besoin de cela. Et puis, on fera une bonne sélection de personnes ou si une téléspectatrice pour l'avoir bouillante pour vous. En tout cas, c'est un bon cadeau. Moi, je l'adore. Moi-même, je peux l'avoir comme cadeau et tout le monde, même les... Non, je dis pas que je dois l'avoir. Je passe par elle, s'il te plaît. C'est ma soeur. Oui, c'est ce que vous avez besoin, non? Moi, ma soeur. Toi, tu dis, tu ne connais pas les gens qui sont des malades pour toi. On regarde et on attend cette personne-là. La masseuse, c'est la même maladie. Je sais. La grande pratique, c'est que ce n'est pas seulement au moment de menstruation. Comme l'utilise? Non, vous êtes travailleur, oui. Vous êtes au bureau, oui. Surtout vous asseyez et vous avez des douleurs musculaires, oui. Ça passe très vite. D'accord, voilà. Mais pour cet après-midi, on doit l'offrir à une fille, une jeune fille qui souffre des douleurs au moment des règles, quand elle passe les règles, elle a des douleurs et tout. C'est à une fille, c'est à une dame qu'on doit offrir cela pour cet après-midi. Ouais. Enchaînant, on peut payer pour ta copine après. Donc, calme-toi, pas de soucis. On peut payer ça pour ta copine. Merci beaucoup. Écrivez seulement que j'ai besoin de cela. Les bouillottes, ça s'appelle bouillotte. Oui. Voilà, les bouillottes, vous avez besoin. Et puis on fera la sélection. Et une téléspectatrice partira avec ça. Je garde ça en main jusqu'à ce qu'on ne puisse continuer. Le message. Pardon, ceux qui bipent là, ce n'est pas bien. Je vois. Ne bipez pas, ce n'est pas bien. Le message rapidement, bonsoir le plateau de l'Équimor. Oui. Merci pour votre émission. Je vous adore beaucoup. Pour la question, oui, les parents doivent être exigeants pour les programmes télé. Parce qu'aujourd'hui, on est moins de 10 ans, mais il y a les enfants de 9 ans qui sont devant la télé, ce n'est pas bien. D'accord, nous avons compris. Merci beaucoup. On entre rapidement, quelqu'un d'autre nous dit bonsoir à vous. Vous êtes magnifique sur le plateau, surtout la nouvelle dame. D'accord, la nouvelle dame. On parle bien sûr de Samuela. Elle s'appelle Samuela. Elle s'appelle par moment également Victoria. C'est ça? Oui. D'accord, super. En tout cas, on salue Ivan, c'est ça? Ivan. C'est un rappel, hein? Ouais. C'est un rappel. On salue Ivan. Oui. Qui a probablement 4 ans ou 5 ans? Il a 7 ans. 7 ans? Ah, d'accord. On salue Ivan qui a 7 ans et c'est sa maman.
Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à TV2 Légument. Bonsoir à toi pour vous, télé de ton bravo. Ok, d'accord. Et à toute ton équipe, merci beaucoup également. Merci pour la fidélité. Je vous écris depuis Bouin-Sorat. Et je vous suis à chaque fois. J'adore ce. D'accord. Merci beaucoup pour nos éloges et tout. Et la personne continue en me disant pour la question, les parents doivent savoir comment permettre aux enfants de suivre la télé. Sinon, il y a tout et rien qui se passe et les enfants sont en mesure d'apprendre de mauvaises choses. Ce n'est pas bien. Bonne émission à vous. Ça, je suis parfaitement d'accord. L'autre fois, je passais quelque part avec un grand frère. Oui. J'étais sur une moto. Ou encore deux enfants de 6 ans en train de s'embrasser dans la rue. Tu sais bien? Oui. Wow. Ça, ils ont vu ça. C'est sûrement la télé. Sûrement la télé. D'accord. Faudrait vraiment que les parents. Et tu t'es arrêté pour le. Ils sont passés. fallait jouer ton rôle. Un rôle de quoi? D'un homme de métier qui dit c'est pas bien, les enfants ne faites pas ça, c'est pas bien. Non, et c'était à une devanture. Ce qui est sûr, ils sont dans la maison. Et ils sont sortis maintenant. Ces enfants qui font ça dans la rue. Dans la rue. Imaginons ce qu'ils peuvent faire en cachette. Voilà ce qu'ils peuvent faire en cachette. Et ils étaient tous en caleçon. Ah non, les parents, surveillez vos enfants. S'il vous plaît, surveillez vos enfants parce que ces enfants-là, je ne pense pas que c'est le moment ni le lieu. On doit les fesser. Moi, je dis, on doit les fesser. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Pas sincèrement. Depuis, je me suis tout de suite dit, mais tiens, ça là, ces enfants-là ne peuvent pas tout de suite. On ne pourra pas dire que les autres utilisent le téléphone pour dire qu'ils vont. Je vais être un peu choqué, mais il y a également cette situation qui se pose très souvent. Peut-être leurs parents le font souvent devant eux et ils se disent qu'on va l'essayer, pas forcément la télé. On va accuser la télé d'une manière générale là-dessus. Mais les parents même qui le font devant les enfants, c'est vrai, il faut s'aimer devant les enfants, qu'ils puissent savoir que l'amour ça existe et tout, mais faire certaines choses devant certains enfants, ils vont partir l'essayer. Ou soit ce sont les frères qui sont à la maison, ou les copines viennent souvent, ils sont au salon avec leur petit frère, leur petite soeur, qui font des choses, et à côté l'enfant, lui, il voit. Au-delà de ça, laisse-moi te raconter une histoire. L'histoire encore pour les enfants de non, bah, j'étais très ami avec l'enfant de militaire, oui. Le corps allié. Lui, il était trop fan de ces histoires de films de guerre et tout. D'accord. Un jour, papa était revenu du service où il avait gardé son arme dans la chambre, sur la table. D'accord. Il avait reçu tout de suite un appel avec un ami. Il est sorti, ils étaient juste à la devanture là-bas. Le gars, quand t'as à la maison, on venait à peine d'un match, on revient vers 7h. On se sépare, il rentre à la maison. Il était avec sa petite soeur et sa maman. Maman le gondait et tout. Tout de suite, le gars est parti enlever l'arme pour braquer sa maman. Ah. Dieu merci que papa est rentré à temps. D'accord. L'arme aussi était chargée. Waouh. Parce que papa, bon, eux autres, dans leur jargon, ils disent même qu'il fait tchaka, il est le gars, mais il fait tchaka, il rentre à la maison et tout. Donc, il avait son arme sur lui. Garde sur la table et tout. Le gars, il est très fan des films de guerre et tout. Quand ça fait ouais, c'est ce qu'il aime. Ouais. Il avait quel âge, ton ami? 8 ans. En tout cas, une raison pour nous de surveiller bien nos enfants par rapport à ce qu'on permet aux enfants de suivre à la télé. Moi, je suis écœuré de voir certains enfants qui sont toujours debout à des certaines heures tardives de la nuit, se disent qu'ils vont suivre un film ou quoi, ce n'est pas bien. Les parents, s'il vous plaît, surveillez vos enfants. On ne pourra pas supprimer les programmes de la télé, certains programmes, mais c'est à vous qui revient cette responsabilité là de bien surveiller vos enfants et de leur dire ce programme là c'est pas pour toi, tu vas pas le suivre quand je suis là ou quand je ne suis pas là, tu dois pas le suivre et tout. Pour éviter cela, deux enfants moins âgés même qui sont en train de s'amouracher dans la rue, en tout cas on se pose des questions. Et un enfant qui suit souvent les films de guerre et les films de je dirais même en matière de films de sorcellerie, même ça développe des idées chez les enfants. Donc il faut bien surveiller les enfants, c'est important. Mettez moi la question à l'écran s'il vous plaît. Ça devient un peu intéressant pour l'ensemble de ceux qui nous suivent également. Beaucoup se posent la question sur quoi nous débattons. Voilà la question. Les parents doivent-ils choisir les programmes télé de leurs enfants? C'est la question là, c'est autour de cette question thématique là que nous débattons tout au long de cette émission. Commencez ou continuez par nous envoyer vos messages 92 91 63 13. Le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans depuis votre position et ensemble on aura une idée là-dessus. Et sur ce plateau, on fait bien de donner des anecdotes, de donner des différents exemples pour qu'on puisse savoir amplement de quoi il s'agit véritablement. Sans oublier que ça là, c'est pour une téléspectatrice qui souffre plutôt des règles douloureuses.
hein. Et par moment, on l'appelle Niot, que vous pouvez utiliser chez vous à la maison. C'est un cadeau. Écrivez seulement. Même si vous êtes un garçon et que votre petit ami souffre de cela, écrivez-nous et on va vous l'offrir. Vous allez faire un cadeau à votre petit ami pour qu'elle puisse diminuer. Sinon, on ne va pas éradiquer totalement les douleurs de bas-ventre, mais on peut diminuer. C'est quelqu'un qui me l'avait dit, hein, que les douleurs, ça peut venir, mais on ne peut pas se dire qu'on va guérir ça totalement, mais on peut diminuer, apaiser les douleurs et tout. Donc, les boulettes sont disponibles, ils sont là, c'est un cadeau pour une téléspectatrice ou un téléspectateur de la part de sa copine ou de sa femme, pourquoi pas. Un dernier, rapidement. Bonsoir à vous, parce qu'on s'en arrive également ce soir. C'est important de le dire. Et également, les enfants seront sur le plateau dans quelques instants. Super. Bonsoir le plateau. J'espère que vous allez très bien. Très belle émission et surtout joli décor. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour la question, j'interdis formellement à mes enfants de regarder la télé à des heures données. Quand je suis là, je les surveille. Et quand je ne suis pas là, la télé est systématiquement éteinte. Bonne émission à vous. Bon thème. Je l'adore. Merci beaucoup à ce parent, à ce, je sais pas si c'est papa ou maman. Merci beaucoup, merci pour cette réaction. Je pense qu'on peut faire comme lui, rester avec les enfants, même interdit. Sinon, quand on sort de la maison, la télé est éteinte. La télé est pratiquement éteinte. Sinon, si vous avez des domestiques à la maison, pourquoi pas leur donner des consignes. Voilà, je pense que ça serait également mieux. Merci beaucoup, chers parents. Merci d'avoir réagi et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. On est trop dit. Bonsoir, le plateau. Bonsoir. J'adore votre émission et surtout votre manière de taquiner les gens sur le plateau. Ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup. C'est une manière pour nous également de vous apporter du divertissement comme il se doit. Pour moi, les parents doivent être sérieux sur la question des télés. Quand on allume la télé, qu'ils restent à côté pour suivre les enfants, pour qu'ils ne changent pas de télé. Un jour, on a surpris notre cousin en train de regarder une chaîne X. Et... calmez-vous, ne riez pas, ce n'est pas trop... Pour moi, ce n'est pas trop. Et la personne continue. Et après, l'enfant a développé ses capacités. Il touche ses camarades à l'école. C'est après qu'on a su que c'est quand il a regardé ces films-là qu'il agit comme ça. Je pense que ça devient très très sérieux. Ce côté-là, ça va toucher. Les enfants aujourd'hui à l'école. Oui. Tout ce qu'ils ont tendance à voir à la maison, ouais. Ils ne peuvent pas les pratiquer à la maison. Du coup, ils rapportent ça à l'école. Il va me faire raconter qu'il a eu, il a été victime de. Non, il n'a pas été victime, mais c'est une de ses camarades, oui, qui a eu accès à ça. Et normalement. Il lui a proposé. Non. Ah. C'était une fille. Oui. Et un garçon aussi était dans la classe. Oui. Mais il a vu le geste. Ils étaient partis dans les toilettes. Les deux? Et la fille et le garçon. Justement. Donc il les a suivis jusqu'à aller voir ce qu'ils faisaient là-bas. Oui. Et c'est là qu'ils voyaient que le petit mettait du bic. Ah. Donc c'est grave. C'est grave. Et c'est un truc qui a été très grave. Et ils sont obligés de nous appeler. D'accord. On nous a convoqué tous les parents. D'accord. Et c'était lui. Qui m'ont fait appel le matin là, okay. J'étais allée, on était obligé d'amener la fille dans notre clinique. Wow. Et c'était un matin là, ça n'a pas été facile. Mais la maman ne restait pas à la maison, le papa ne restait pas à la maison. Comment est-ce que l'enfant a eu cette idée, savait qu'il y a un chemin qui est là-bas. Et il disait qu'il sait qu'il y a quelque chose là-bas qu'il voyait depuis. Du coup, il voulait toucher pour voir si ça peut aller. Parce qu'il touchait avec le doigt. Oui, imaginez des trucs comme ça. Tu sais que tu as l'art d'expliquer les choses telles qu'elles sont, mais oui. S'il te plaît. C'est bon pour ça. En tout cas, c'est le moment de faire certaines choses pour que les enfants puissent ne plus répéter les mêmes choses. Parce que est-ce que nous voyons, est-ce que nous ne voyons pas, quand on est parent, on sort le matin, on se dit notre enfant à la maison, oui, ne sort pas, c'est déjà bien. Mais on ne sait pas ce que l'enfant regarde, que ce soit à la télé, comme il venait de le dire, même avec son téléphone, non, on ne sait pas ce qu'il est en train de regarder et tout. Donc c'est pour nous.
pour les parents d'avoir cette responsabilité-là de surveiller les enfants. Quand on revient, poser des questions aux enfants. Taquinez-les, il va vous dire certaines choses et puis je pense que ça serait mieux comme ça. Sinon, cette situation-là, Ivan, on doit le féliciter. Parce qu'il a été, je dirais, un inspecteur. Comment il a eu l'idée de suivre les camarades? Oui. Est-ce que tu veux nous amener Ivan sur le plateau? C'est parfait. Je pense qu'on va recevoir Ivan sur ce plateau. Oui. Et il va nous dire comment ça se passe chez lui à la maison. Mais il faut rappeler aussi que ce n'est pas seulement les programmes. Oui, c'est ce que je dis. Ce n'est pas seulement les programmes, mais il y a également... Il se fait tout autour, en fait. Voilà. Et il faut rappeler que les frères ou les sœurs qui viennent souvent, comme je venais de le dire, qui viennent souvent à la maison avec leur partenaire, allez-y dans votre chambre, en fait. Laissez le salon pour les enfants. Ouais. Parce que quand vous faites certaines choses, vous vous dites que bon, c'est le feeling, c'est tout. L'enfant à côté veut l'essayer. À un moment donné, il se dit, bon, le frère, il le fait, c'est bien, je dois le faire. Donc, essayez, ou faites l'effort de rentrer chez vous directement dans votre chambre et de laisser le salon pour les enfants. Le faites partout devant les enfants parce qu'eux, ils vont copier et coller en même temps. Super. On va continuer avec vous dans quelques instants. On va parler des informations sportives que Marcel nous a préparées. On prend une courte pause musicale de temps pour vous revenir et avoir les enfants sur le plateau. On a beaucoup de questions à poser à ces enfants aujourd'hui parce que le débat devient très houleux, le débat devient très intéressant et eux également ont des éléments de réponse à nous donner sur le plateau. On prend cette pause musicale, on revient juste derrière pour continuer avec vous. A tout à l'heure. Caratera, galera se vedare com a casala doratera. É moia do avide, voare e to quella juara que modera e quando igual a talana era tchera. Ei, você aê, não sei aê, o cale aê, determinação aê, lou, bebê mumbalê, meu, mele mulacine, eu na demo blau ati, watch a lega, me mulacine, eu, miladão, é só me miladão, ala é mile, eu era um no na me bago, mele mula só me, onde eu vou só me, ura com a bem, mule plonge, regato, me só me. I saw a hard time passing on the road, we were strong, you had no mind for us. Stop it, we had faith, kept praying. Hey, baby, with the bumps, some of them, they call me Busha. Baby, my flop, had the money, had the cost ya. Hozla, hozla, me, enti, mindo, game, ode. Vike, nyato, nyalende, lede. Nyalende, lede. Hozla, hozla, me, dede. Enti, mindo, game, ode. Vike, nyato, nyalende, lede. Nyalende, lede. Hey, how did you some DJK. Flexisha, you know.
Nous sommes de retour sur le plateau de l'Okinawa pour continuer avec vous, spécial vacances qui s'annonce bien et qui se passe très très bien sur les antennes de la télévision deuxième. Vous suivez l'Okinawa comme il se doit. Les enfants sont avec nous maintenant. Est-ce qu'on peut s'applaudir les enfants? Repartir pour la présentation de ces enfants qui ont accepté de nous accompagner pour cet après-midi. On part tout de suite pour la connaissance parce que les visages sont tout mignons et également ils vont se dire non, je commence ici. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ulrich. Ulrich. Ulrich, tu fais quelle classe? Je passe en quatrième. Tu passes en quatrième? Ah, avec quel moyen? Avec 15 sur 20. Alors, quand tu passais en classe de 4ème, ta moyenne c'était quoi? Combien? 16-17. Ah, bravo, bravo. C'est notre chef plateau. On l'applaudit maintenant. C'est quel établissement déjà? M2. La personne dit que toi, tu sais pas? Tu as quoi? Moi, j'ai eu 11-12. Tu as retourné. Il y a une seule raison pour laquelle vous ne devez pas rater cette émission, ce sont les petites choses comme ça. J'adore en fait. 15-60. Et papa t'a offert quoi comme cadeau? Papa ou maman t'a offert quoi comme cadeau? On n'a encore rien offert. Rien pour le moment. Mais ils ont dit quand même qu'ils vont faire un geste. Ok, d'accord. Ulrich. En tout cas, les Ulrich sont très intelligents. On salue Ulrich Takam. Voilà, sur ce plateau également. Toutes ces personnes-là qui sont primaires dans Ulrich, on vous salue sur le plateau. Tu le représentes comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Comment tu t'appelles? Joël. Joël, tu fais quelle classe? Je fais en troisième. Tu passes en classe de troisième? Ah, d'accord. Okay. Tu as eu combien de moyenne? 10. 10, ok, on a fait. Ouais. Il se réserve. Joël se réserve. Et à côté de Joël, on a... Comment tu t'appelles? Florence. Florence. Florence, tu as quel âge? J'ai 10 ans. 10 ans, tu fais quelle classe? Je passe en 6e. Tu passes en 6e? Ah, ouais. Ouais. Une future collégienne, c'est ça? Super. Tu as vu quel établissement, quelle école? J'étais au Burkina Faso et je suis revenue ici. Yeah. Ok. Comment ça se passe au Burkina Faso? Ça se passe bien. Bien? Bien, super. Tu comprends un peu la langue des Burkinabés? Non. Tu as fait combien de temps au Burkina? Soulève la tête, on va te regarder. Les amis à la maison te regardent en fait. Je voulais en fait son plan, cela et là. Toutes mes classes, j'ai fait ça au Burkina. Ah d'accord. Depuis le CP1 jusqu'à dans ce BD, tu l'as fait au Burkina? Non. Ah d'accord, super. C'est bien, hein? Tu connais quelle ville du Burkina ou quel quartier? Une ville. Oui. Ouagadougou. Koudougou. Kenedougou. Je veux le plan de mon ami. Non, il n'y a pas de souci, je veux son plan en fait. Parce qu'elle est mignonne, parce que ce qu'elle dit aujourd'hui, ça m'intéresse. Moi-même, j'ai envie de visiter Ouagadougou. Est-ce que tu peux m'aider à faire le tour? Tu veux être celle qui va me guider? Tu veux le faire? Ah non, elle connaît les villes, mais elle connaît pas bien les endroits et tout. Tu regardes droit dans la caméra là-bas et tout. Et là, tu vivais dans quel quartier à Ouagadougou? À La Padoua. La Padoua, super. Quelle est la particularité là-bas? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mangez très souvent? C'est la nourriture que mes parents proposent. Oui, d'accord. Et ça a un nom? On l'appelle comment? Non, c'est comme le nom d'ici. La pâte également? Ah d'accord. Et la sauce, ça n'a pas de nom comme chez les Tabiens Côte d'Or, par exemple, nos amis du Sud, il y a Ademé trois pièces. Ademé trois pièces, c'est Ademé, il y a tout dedans. Tu vois, un peu, chez eux, il n'y a pas un nom par rapport aux sauces. Et quel nom par exemple? Boulevard. Ah, quel nom de boulevard. Non, je suis très content de t'avoir sur ce plateau parce que tu représentes aujourd'hui toutes ces personnes-là qui sont de l'autre côté de Ouagadougou et ça fait plaisir. Pourquoi tu as décidé de venir au Togo? C'est papa ou maman qui a décidé ou... Non, c'est
C'est ma mère qui a décidé. Ah, ok, d'accord, que tu viennes au Togo et tout. Ah, d'accord, merci, bienvenue. Bienvenue au Togo, je pense que tu vas profiter bien et surtout en sixième venue d'ailleurs. Tu seras la star de ton établissement, je suis sûr. Parce que très souvent, c'est comme ça que ça se passe et tout. Super. Sur le plateau, nous avons des enfants et ces enfants, je le disais qu'ils sont très talentueux. Je vais vous poser cette question à ces enfants-là et tout. À part l'école, tu sais faire quoi d'autre comme activité? J'aime jouer au football. Tu aimes jouer au football. Tu as bien fait de s'asseoir à côté d'un sportif. Hein, il gère le football. Tu joues quel poste déjà? Le latéral. Latéral, gauche ou... latéral, quel latéral? Gauche. Gauche. Tu es gaucher? Ah, super, super. En tout cas, les latérales gauche, ça on manque très souvent sur les terrains. Donc il faut faire l'effort de mieux travailler également cela. Pourquoi pas? J'aimerais te voir dans quelques années dans l'équipe A du Togo, les Éperviers du Togo. Hein, tu vois, on peut souhait pour toi. Tu aimerais bien? Et quel est ton joueur favori? Messi. Lionel Messi. Lionel Messi, c'est pas un latéral gauche. Je sais que c'est un essuie-glace. Il va de deux côtés, il essuie-glace, mais il est. Bon, en tout cas, peut-être qu'en grandissant, tu vas changer de star parce que c'est lui aujourd'hui. Joël, qu'est-ce que tu sais faire? Peut-être que je sais jouer au basket. Mais fais-moi voir. Devons-moi voir. Ok, super. Tu as quel âge? J'ai 14 ans. 14 ans, fais donc de mon âge, avec cette taille-là, c'est le moment que tu peux jouer. Jouer, s'il vous plaît. Je t'ai pas pris. Déjà, quand je me suis jeté, c'était lui qui mettait l'ambiance. Mais pourquoi maintenant tu es triste? Pourquoi tu es triste? À part le basket, tu fais quoi d'autre? Je sais bien dessiner. Tu sais bien dessiner. Super. Reste à côté de moi. Dafri, viens. Viens avec un papier, avec des crayons. On va tester la capacité de jouer sur le plateau parce qu'il dit qu'il sait dessiner. Viens, Dafri, viens. On va s'essayer en quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as dessiné. Tu pars de l'autre côté. Voilà. Super. C'est à lui. Tu seras là. Et jusqu'à la fin de l'émission, tu vas me présenter ce que tu as comme dessin et tout. Un c'est joli bon tableau. Un joli tableau. C'est bon? À part le dessin, tu fais quoi d'autre? C'est tout? D'accord. Ok, à ce temps-là, on applaudit pour la famille. Et puisqu'il est là, on va parler en même temps de lui en attendant de parler de notre ami à côté également. Merci d'être là. Tu me laisses? Je vais pour le moment. Il n'y a pas de souci. Tu peux aller comme toi, tu ne peux pas si tu veux aller. Merci beaucoup. Merci de l'applaudir également. Il s'appelle Patrick, le maître de cette émission qui nous habille tous les mercredis avec cette touche traditionnelle. Aujourd'hui, il est sur le site de la foire. Vous pouvez le visiter avec des body patterns que nous avons sur le visage. Ils peuvent le faire sur le site de la foire à la fille. Allez-y, visitez son stand. Il est là. Il est également sur cette émission. À part l'école, tu sais faire quoi? Danser? Peut-être tu sais préparer? Tu prépares? Maman fait la cuisine? Oui. Ah d'accord, tu sais préparer quoi? Quand on te donne tout, tu dois finir. Tu sais préparer quoi? Du riz. Du riz. Non, pas fort. Du riz. Du riz. Ok, d'accord. Du riz, tout le monde. Quel riz? Quand on dit simple, du riz simple. Riz blanc. Du riz simple. Du riz simple. D'accord. C'est, en tout cas, ça se voit seulement. Avec ton âge. Et c'est bien préparé, je pense que c'est une très très bonne chose, ça arrive pas tous les jours. En tout cas, les enfants, on va vous soumettre des jeux par exemple, et vous allez répondre à certaines questions, et vous allez repartir avec des cadeaux. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Oui. Super. Maman? Oui. Nous sommes à toi. Oui. Les enfants vont silencieux en attendant de préparer rapidement cette partie de notre ami, Marcel. Rapidement, on a passé le temps. D'accord. On va y aller rapidement. D'abord, j'aimerais savoir, oui? Est-ce qu'on peut poser la question enquête aux enfants, c'est possible? Justement, mais on n'a pas assez de temps, il n'y a pas assez de temps. Mais rapidement, je peux briefer. Hein. Est-ce que maman vous suit, papa vous surveille par rapport au programme télé? Maman vous interdit de regarder la télé par moment? Oui. Elle dit quoi souvent? Elle dit qu'on interdit des fois moins de 10 ans. Oui. Que si nous regardons, que la nuit nous aurons peur. D'accord, d'accord. Et tu respectes cela? Ah, tu respectes minutieusement. Et qu'est-ce que tu regardes souvent à la télé quand on va soulever la tête et puis tu regardes la caméra? Qu'est-ce que tu regardes souvent? Les dessins animés. Les dessins animés. Et quel est le dessin animé que tu aimes le plus parmi tous les dessins animés là? Ladybug. Ah d'accord, Ladybug. Bon, ouais, si ça m'intéresse beaucoup, Ladybug. Ladybug. Et toi, Ulrich, est-ce que les parents interdisent souvent que tu puisses sur la télé ou ils te disent de ne pas regarder tel ou tel programme? Oui. Oui. Et comment tu gères à la maison?
je respecte la décision. Tu respectes la décision, super. Et qu'est-ce que tu suis souvent à la télé? Quels sont tes programmes favoris que tu suis souvent à la télé? Des films d'enquête. Des films d'enquête, d'accord, d'accord, super. Joël, la télé chez toi, la maison, comment ça se passe? Les papas ou les parents plutôt te disent de ne pas regarder certains programmes? Oui. Oui, très souvent. Oui. Quel type de programme ils refusent que tu... Les mangas. Oui. Non, toi, c'est ce que toi tu regardes, non? Mais qu'est-ce que papa et maman refusent que tu puisses... Les mangas. Les mangas. Pourquoi? Tu es grand aujourd'hui, hein? Il est en troisième. D'accord. Et il dit que c'est comme des films, on tue trop. Ok, ok. Ben, manga, c'est, ce sont des dessins animés, c'est ça? Mais les parents refusent à Joël qu'il puisse suivre cela et ils ont eu une raison assez forte là-dessus. Hein. Et tu respectes ça? Mm-hmm. Mais toi, tu aimes suivre quoi à la télé? Les mangas? Mm-hmm. Ah, ok. Tu aimes suivre quoi? J'aime suivre les dessins animés. D'accord. Quel type de dessins animés, par exemple? Les Mystérieux Systèmes. Ok. Le gars, il maîtrise. Hein. Maîtrise. En tout cas, merci beaucoup, merci d'être là. Je pense que maintenant, on a une idée sur ce que les enfants qui ont accepté aujourd'hui suivent. Parlant de dessins animés, et l'autre fois, j'étais dans la rue, c'était le samedi, où j'avais surpris des enfants en train de jouer, en train de faire des ébats. En fait, mais il est trop astucieux. Il fait semblant de nous regarder en douce. Et vous êtes bien, c'est bien. Non, toi, je vais juste avance, d'accord. Et vas-y rapidement. Oui, et oui, j'ai super un peu de s'adorer aux jeux Zébala. Et après, je vais vous poser la question. Si vous êtes en train de faire la m'intéresse, j'ai tout de suite envie de vous filmer et tout. J'ai appris de passer ça à la télé, TV2. Mais TV2, que tu travailles à la TV2, je dis oui. Il faut dire au DG que les dessins animés que vous faites matin, vous coupez là. Non. Et lui, c'est les dessins animés de la matinée et de 18h. Okay. Souvent, ça ne finit pas en coupe. Il n'a qu'à continuer. Ok, d'accord. Mais j'ai compris. Merci beaucoup. Merci pour le message rapidement. On va aller avec les jeux. Oui, rapidement. On va aller avec Florence. Florence, il y a combien de... Il y a combien de mois dans l'année? Il y a combien de mois dans l'année? Voilà. Il y a 12 mois. 12 mois, n'est-ce pas? Ok, maintenant je vais retourner la question à Uri. C'est un mois en 31 jours. Ou bien? Ok, maintenant d'autres mois en ont 30. Alors il y a combien de mois qui contiennent 28? On répète une fois la question, certains mois ont 30. 31 jours. 31 jours, d'autres mois en ont 30. 30. Et il y a combien de mois dans l'année qui ont 28? Il n'y en a qu'un, c'est le février. Ok, doucement, doucement. C'est pas la bonne réponse d'abord. C'est ça la bonne réponse. C'est ça la réponse. On va Marcel. Ok, on va. Il y a qu'un seul mois, 28 jours. D'accord. Et à toi, Sabrina? Je pense que cette question. Attends, attends, 8, 19 là-bas. 29. 29, ok, d'accord. D'accord, elle a compris. Rapidement la réponse. Je pense que non. Non, non. Et c'est quoi la réponse? La réponse est tous les mois contiennent 28 jours en fait. Tous les mois. C'est une devinette et puis il faut prendre le temps pour comprendre, mais en fait avant de répondre. Oui. La question c'est de savoir, tous les mois contiennent 31 jours, d'autres en contiennent 38. Combien de mois dans l'année compte 28 jours? Combien de mois? Tous les mois comptent 28 jours. Février par moment compte 29 jours. Oui. On est d'accord là-dessus. C'est par moment. Super. Il a compris. Lui, toi-même, tu as compris maintenant. Super. Autre question rapidement. La question est pour Joël. Joël? Non, Joël, on va laisser Joël parce que Joël il est concentré sur son tableau. Okay. On va tout de suite. Joël, toi, tu continues rapidement. D'accord, Florence. Sur un arbre se trouvent 10 oiseaux. Sur un arbre se trouvent 10 oiseaux. Un chasseur arrive. Un chasseur? Tire avec son fusil sur un oiseau. D'accord. Un oiseau, voilà. Et il le tue. D'accord. Il reste combien d'oiseaux sur l'arbre? Sur un arbre, il y a 10 oiseaux. Oui. Je ça, c'est ça que c'est. C'est souvent de même poser. Et sur l'arbre, il y a un chasseur qui tire sur un oiseau et qui tue l'oiseau. Il y a combien d'oiseaux qui restent maintenant sur l'arbre? 9 oiseaux. 9 oiseaux. Ok, d'accord. Pourquoi vous faites doucement? Elle a dit 9. On va permettre à Joël de se. Joël, il y a combien d'oiseaux qui restent sur l'arbre? 0. 0. Et lui, il dit 0. 9 et 0 qui gagnent?
Pourquoi zéro? Les oiseaux ne sont pas bêtes. On a tiré sur l'un de ses camarades. Ils ne vont pas rester pour qu'on tire sur. Bravo! Je pense que la réponse c'est zéro. Florence, nous revient avec des informations de Ouattadou, donc bonjour déjà. Déjà, on a des cadeaux pour eux tous qui ont accepté de nous accompagner. Vous également qui nous suivez, vous voulez faire participer votre enfant, il n'y a pas de souci. Il y a déjà un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez avoir assez au plateau en contactant ou en écrivant sur ce numéro, le 92 91 63 13, et puis ensemble on fera de magnifiques choses. Et je vois qu'il continue avec son tableau. On va sauter aujourd'hui. Sport? Oui. On va sauter? Sauter? Oui. Si tu en veux. Si le temps ne nous permet pas, D'accord, le temps ne nous permet pas, on va finir rapidement à Port-Tatu. Ouais. On y va rapidement et puis on prend l'Estra pour souhaiter dire des choses à ceux qui sont nés aujourd'hui. Si la régie est avec nous, on prend le jingle de Port-Tatu rapidement, s'il vous plaît. Et puis on revient pour les contenus, sinon le contenu de Port-Tatu de cet après-midi. Jingle, là, on revient juste derrière ceci. Port-Tatu. Portatus cet après-midi, ce sont les actualités culturelles d'ici et d'ailleurs qu'on aura à partager avec vous. Si la régie est là, si la régie peut m'accompagner, on peut avoir la couverture de la première affiche de sortie. On va parler bien sûr de Gracisio, Queen Togolese, qui nous promet un nouveau titre pour bientôt. Le titre c'est Changement, Changement comme une sonne. C'est pour très bientôt pour Gracisio, une artiste également très talentueuse qui chante très très bien. La nouvelle sortie sera disponible pour bientôt. Après Gracisio, on parle également de Charles. Voilà, Chad qui également fera une nouvelle sortie pour bientôt. Le titre c'est Elache et ça sera disponible le vendredi prochain, le 2 septembre. Le titre sera disponible. On fera le plaisir une fois encore de vous offrir l'exclusivité si tout va bien. Elache de Chad le 2 septembre 2022. Voilà, ça sera disponible. La suite après, on parle de cette collaboration Master Popa et Cetlo. Voilà, oui. Et le titre, je pense que ça va encore beaucoup bouger. Il faut dire Afro Akwese. Et puis notre ami d'abord qui a conquis le Nord avec ses sonorités et tout, Master Popa bien sûr, ça fera une très très belle collaboration pour ces deux-là. On attend vivement la date et l'heure de la sortie pour en parler avec nos amis téléspectateurs. La suite, après. Master Popa, on parle du grand retour des frères Situgan. Ça applaudit. Je le dis. Ça applaudit. Le frère Situgan annonce leur retour, je dis bien un retour triomphant bien sûr, et le titre sera disponible le 11 septembre prochain. Le titre c'est Elali. Longtemps ils sont passés derrière et maintenant ils reprennent comme il se doit le devant de la rumba togolaise. Attention, j'adore. Non, c'est bon. On va une fois encore visualiser cette vidéo à partir du 11 septembre et voilà, prendre plaisir à vous dire pourquoi ils ont pris cette pause là et pourquoi ils reviennent maintenant. La suite après, mes frères. On va parler également de cette application qui est disponible pour vous aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre maintenant sur l'Imex World TV. C'est une application que vous devez télécharger si vous avez des Play Store, vous avez App Store. Vous téléchargez l'application, vous installez l'application, vous rentrez dans la barre de recherche, vous tapez TV2 et puis voilà, la chaîne ça sort. Nous diffusons tout le programme sur cette application. Si vous avez l'application, vous pouvez suivre la TV2 un peu partout. Vous êtes au travail, vous êtes au champ, un peu partout. Il suffit juste d'avoir la connexion, télécharger l'application, installer et puis rentrer dans la barre de recherche, chercher TV2 et puis voilà, le tour est joué. Vous allez suivre les Quémans chaque fois. Vous allez suivre toutes les émissions de la chaîne. Vous allez suivre tout le programme de la TV2. Téléchargez cette application. Je vous conseille que l'application-là, c'est ce qui va vous aider. Pour ceux qui nous disent très souvent que j'ai raté l'émission d'aujourd'hui, l'application vous permet de suivre l'émission partout où vous serez, voilà, en temps réel. C'est comme si vous avez la télé dans votre téléphone portable. Et puis c'est bien. Bravo à la chaîne, bravo au DG, bravo à la PCA, bravo à toutes ces personnes-là qui font l'effort quand même de satisfaire les besoins de nos amis téléspectateurs. TV2 est disponible maintenant sur l'Imex World TV. La suite. Ok, super. On revient au plateau rapidement en attendant que notre ami ne finisse
son tableau. On va passer maintenant à Extra. On va souhaiter bien des choses à ceux qui sont nés aujourd'hui. Ils sont un peu plus nombreux. En tout cas, c'est le jour de Aristide. Si la régie avec nous, on y va rapidement. Sans transition aucune, on y va avec ceux qui sont nés aujourd'hui. Ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, on peut avoir rapidement l'arrivage. Voilà. On souhaite à Aristide, le groupe Ra. Happy birthday. Je vous adresse à lui. Ils sont un peu nombreux. En tout cas, tous ceux que vous verrez aujourd'hui, ils se nomment Aristide. La suite, s'il vous plaît. Il également s'appelle Aristide Gold Empire. Voilà, c'est un mécène, un promoteur culturel qui également aide beaucoup d'artistes. Il souffle une bougie de plus aujourd'hui. On lui souhaite, comme il se doit, santé, prospérité, longévité, beaucoup d'inspiration. La suite, après Aristide Gold Empire. On souhaite également une autre personne, il s'appelle également Aristide, mais il s'appelle Trizy Cash Power. Il souffle également une bougie de plus. Toute l'équipe, l'équipe lui souhaite joyeux anniversaire, santé, prospérité, longévité. La suite. Après Trizy Cash Power, lui également, c'est quelqu'un qui aide beaucoup les artistes en milieu culturel. Il se veut aujourd'hui être un meilleur blogueur et il est, ma foi, je le dis, il est. Il souffle une bougie de plus aujourd'hui. On lui souhaite, comme il se doit, joyeux anniversaire, santé, bonheur, beaucoup d'inspiration et beaucoup de contrats. C'est ce qui est important aujourd'hui. Après lui, on va souhaiter également joyeux anniversaire à Aristide KBS depuis la radio Zephyr qui souffle également une bougie de plus aujourd'hui sur le plateau de l'Écoulement. On lui souhaite longue vie, beaucoup d'inspiration et bon vent à son émission. Joyeux anniversaire à toi, Aristide KBS. La suite, super, on revient sur le plateau. Voilà, on va partir maintenant. Ok, d'accord, on ne peut pas oublier lui. Lui, on ne peut pas l'oublier. Qu'il connaît, il s'appelle Aristo le Blédard, sinon Aristide. Aujourd'hui, c'est ce jour. Moi, d'ailleurs. Voilà, c'est Aristide, il a coupé, c'est devenu Aristo le Blédard. Il souffle une bougie de plus aujourd'hui. En tout cas, c'est gâté. Comme le disent souvent les Ivoiriens, c'est gâté. Donc, merci, je pense qu'il est plus au pays, il est reparti et tout. On lui souhaite sur les antennes de la télévision, déjà, mais sur le plateau de l'équipement, joyeux anniversaire. Happy birthday. À toi beaucoup d'évolution, surtout continuer d'aider les gens comme tu le fais et moins de bêtises. Merci beaucoup. Je pense qu'on va revenir maintenant. On va dire à nos chers enfants, on va vous souhaiter bien de choses. Merci d'être passé chez nous. Merci d'avoir accepté de nous accompagner pour aujourd'hui. Tu as fini? Tu as fini ton tableau? Ok, d'accord, viens. Lève-toi. En tout cas, commencez par vos résonations avant que nous vous montre ce qu'il a fait sur le plateau. Tu peux maintenant montrer ça au peuple. Il a fait en quelques minutes seulement, mais très bien. Est-ce qu'on peut avoir on peut voir, on peut jouer. Voilà. Et qu'est-ce que tu as dessiné? Un tambour. Ok, d'après. C'est ce qu'il a fait en moins de 10 minutes, je dirais. Viens, tu peux venir. Hein? Voilà ce qu'il a fait. Voilà. Waouh. Waouh. Vraiment, je trouve le travail très magnifique. Oui. En tout cas, pour le début, je t'encourage à perfectionner ça, oui. À évoluer, à ne pas voir les artistes, ce que nous faisons, mais à perfectionner, à se contenter sur toi-même. D'accord. Et tenir ton art pour évoluer. D'accord. Bravo pour ça. Ouais, bravo oui. Pour ça. Félicitations à toi. Je pense qu'il a réussi brillamment ce qu'il a fait. Moi, me donne même 2 ans là. Je ne peux pas finir cela. Et tout, bravo, bravo. Oui, il a un cadeau. Ouais. Tous ceux qui ont qui se sont passés peut-être sur ce plateau recevront un cadeau. T'inquiète pas. Il aura un cadeau de notre part et tout. Et surtout, la personne qui repartira avec ça. Puisque c'est lui qui a bien répondu à la question. Et qu'on n'a pas eu des messages. Que je veux cela. Tu as une soeur? Oui, mais n'est pas bien. Elle n'est pas au pays. Ah, d'accord. Tu as quelqu'un de plus proche? Ma mère. Ta mère. Ok, d'accord. Tu diras à maman que quand tu es venu à la TV2 dans les Kémas, tu as reçu ce cadeau pour elle. Merci. Je crois qu'il est bougé de cadeau pour lui. Tu t'expliques à maman ce que ça signifie et ce qu'elle peut faire avec. D'accord? Ça, c'est un cadeau pour maman. C'est bon? Merci beaucoup, merci. Les autres auront également des cadeaux de la part de Mme Monica, juste voilà, pour leur passage également, leur encourager à continuer par travailler. Merci beaucoup à vous. Nous sommes malheureusement... Un spécial de la part de Daphne également. Frigo, pour lui également. Oui. Donc, envoie le cadeau rapidement. Envoie le cadeau. Oui, c'est mon côté. Au revoir. Okay. D'accord. Super. Toi, je pense que toi, tu vas revenir ici. Hein. tu as des cadeaux seulement de la part de tout le monde? Si je savais, je n'allais pas lui... bon, il a pris. D'accord. Le cadeau de Daphne pour notre artiste peut-être en devenir. Ah, ok.
Okay. D'accord. Pourquoi moi, ça s'applaudit s'il vous plaît. Mais je tombe après quand je suis au stage et ça m'a permis d'être ici. Donc je te fais t'offre cet pinceau pour que tu travailles ton. Le pinceau, c'est pour toi. C'est un geste, c'est bravo. Pas un cadeau pour s'amuser. C'est ton travail, ok. C'est comme moi quand on prend le micro. Donc on prend le pinceau, tu dois bien prendre soin de cette personne-là et beaucoup plus dessiner. C'est bien. Merci beaucoup. En tout cas, merci à l'équipe, l'ensemble de l'équipe. Merci beaucoup à vous, l'équipe en studio avec moi. On va se retrouver le vendredi pour un autre numéro. Merci à la régie, merci beaucoup au cadrage. On dit merci à tout l'ensemble de ceux qui nous ont suivis. Aujourd'hui, on va se donner rendez-vous le vendredi pour un autre numéro. C'était l'équivalent spécial vacances, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Les enfants, merci de vous applaudir vous-même par rapport à tout ce que vous avez fait sur ce plateau. Et ce que je vous présente pour la nation qui suit. Merci à Samuel. Merci Monica. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve le vendredi, c'était l'équivalent. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement. Bye bye. Le mercredi. Pour le vendredi.